m'excuserai pas mal. Ce qui se passe en ce moment, c'est un peu moins de découvertes et un peu plus de voyages parce que y a la fatigue qui joue et puis ce désir d'arriver aussi, quoi. Ça devient un peu. Excusez-moi. Ça devient un peu insoutenable. Donc du coup, plus vite arriver, ce serait bien, tout en gardant les précautions. Hello, hello, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, du coup, petit réveil matinal, les yeux bien plissés. Toujours en Guinée. Guinée-Conakry, je précise. Et là, du coup, on est à côté de l'université de Kindia. Donc c'est sur la route pour aller du côté de la Côte d'Ivoire. Alors vous m'excuserez pas mal, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu moins de découvertes et un peu plus de voyages parce que y a la fatigue qui joue et puis ce désir d'arriver aussi, quoi. Ça devient un peu excusez-moi. Ça devient un peu insoutenable. Donc du coup, plus vite arriver, ce serait bien, tout en gardant les précautions. Alors, il y a des choses que je vous ai pas montrées la dernière fois, dans l'épisode précédent, ou dans celui-ci d'ailleurs, je sais pas, dans lequel j'aurais dû le mettre. Ceci dit, j'ai pu à Conakry, au centre-ville, j'ai pu changer la poulie qui était cassée. Et voilà, c'était une merveille, quoi. Pouvoir tourner comme ça, là, direction assistée, c'était la vie. Parce qu'avec un fourgon qui n'a pas de direction assistée, on le sent bien. Et j'ai pas encore testé, je ne souhaite pas le tester, un fourgon qui n'a pas de turbo. Oh,
ce serait un problème. Puisque, voilà, c'est quand même 3 tonnes de poussière qui n'avanceront pas si facilement. Ceci dit, on ne le souhaite pas, soyons positifs. Donc le souci de la courroie, qui était un peu déchirée d'ailleurs, a été réparé. La poulie pour la direction assistée a été réparée. J'avais une fuite de liquide de refroidissement. Bon, c'était un bout de la durite qui fuyait. Il suffisait de couper et de remplacer, donc de remettre à sa place. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, il n'y a pas de problème. En tout cas, pour le moment. Mais il faut que j'aille vérifier quand même, on sait jamais. Parce que j'ai roulé entre temps et j'ai pas regardé si le liquide de refroidissement disparaissait ou pas. Donc je vais regarder ça tout de suite. Voilà où est-ce que je suis en fait. Alors, je sais pas si vous voyez à l'endroit, je suppose que si. Et là, je vais voir directement ce qui se passe au niveau du liquide de refroidissement pour entamer les routes de l'impossible. Continuer l'aventure. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram comme quoi il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé faire ce voyage. C'est un peu un rêve pour eux. Ceci étant dit, vraiment, il faut vraiment être prêt parce que là, on vient de perdre une bonne vingtaine de minutes, voire plus. À négocier, faut négocier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut négocier pour ne pas payer parce qu'il y a beaucoup de demandes d'argent. Voilà, de la part des policiers, de la part de personnes qui ne sont même pas policiers des fois, mais qui portent un peu la tenue des policiers. Donc faites attention si vous voulez le vivre. Vivez-le, mais faites vraiment attention parce que c'est pesant. Alors, je compte pas le nombre de contrôles de police qu'on a eu depuis, on va dire, depuis l'arrivée au Sénégal, parce qu'au Maroc, il y en a eu. En Mauritanie, il y en a eu aussi des tonnes. Il y en a beaucoup en Mauritanie, d'ailleurs. Et ouais, il faut vraiment faire attention. Il y en a des tonnes. Franchement, on est à plus d'une centaine. J'en suis sûr, quasi plus d'une centaine. Donc voilà, il faut faire attention, il ne faut pas donner. Et quand on ne donne pas, ben, on nous tient la jambe, on nous fait perdre du temps. Et pour en gagner, bien sûr, ben, il faut payer pour pouvoir passer. C'est ça le problème récurrent ici. Hormis ça, on a actuellement une belle route. Heureusement. Et parfois, ben, on a beaucoup de trous. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, on s'approche de la Côte d'Ivoire petit à petit. Et c'est pour dans quelques heures. Mais je pense qu'on va s'arrêter, se poser tranquillement. Et demain, on fera le reste au calme. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, appuyez sur la cloche de notification pour suivre les nouvelles vidéos. Et cette embarcation qui va loin, parce qu'il y a des kilomètres quand même. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez nous venir en aide, n'oubliez pas de notre financement participatif. Je mets le lien dans la description et vous pourrez justement trouver toutes les informations. Le but de la mission, de notre projet, tout ça, c'est écrit
sur le financement participatif. Mais bon, je vous fais un petit peu le décor. C'est vraiment acquérir un terrain et pouvoir faire une construction pour accueillir justement ceux qui le souhaitent. Pour un retour aux sources, pour un recueil, on va dire, de bien-être et de spirituel. Bien-être et spirituel. Et surtout, voilà, pour découvrir un peu le pays. Et pourquoi pas, on est sur place, donc si ça vous intéresse, qu'on puisse chercher ou si on entend parler d'un terrain, qu'on puisse vous passer l'information. Donc par rapport à ça, ben, vous savez où nous contacter, sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez nous contacter là-bas directement et ben, on peut voir comment on peut s'arranger pour que ça puisse plaire à tout le monde. Ce fameux retour aux sources. Je vous remercie. On continue l'aventure, on lâche rien. Bienvenue à vous, très chers abonnés. Donc après un petit sommeil rapide sur un petit spot, une sorte de clairière, la route elle est un peu plus basse. Bon, victoire. Bon, c'est pas qu'on, comme je vous ai dit, hein, c'est pas que le but ce soit de sortir du pays non-stop, non. C'est bien de visiter, de voir la verdure, tout ça, il n'y a pas de problème, mais la fatigue. Surtout la fatigue. La fatigue est là, donc là, on va foncer directement la frontière ivoirienne. On en a normalement pour 4 heures, donc ça démarre tout de suite et on espère pouvoir y arriver très vite. Parce qu'il y a quand même 212 km à faire et 4 heures. Il y a une incompréhension quelque part. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de villages, il faut rouler à 50. Et voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il y a des dodales. Épais comme ça, je suppose que vous l'avez vu déjà à travers les autres vidéos. Et voilà, donc on y va très vite, très vite, à la vitesse autorisée. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, de partager à vos amis, de mettre un petit pouce aussi, pourquoi pas, pour nous soutenir. Mais surtout, n'oubliez pas le financement participatif, parce que ça peut nous servir et ça peut vous servir, parce qu'on sera là pour vous accueillir. À très vite.
fameuse montagne est toujours là. La route est par là. Il reste 8 km pour arriver en Côte d'Ivoire. Let's go. Aucun changement. Mais on est en Côte d'Ivoire. Donc ça y est, enfin, on a passé la fameuse douane, la police frontière. Et là, on va du côté de la douane, qui est à 7 km, pour passer définitivement en Côte d'Ivoire.